De poudreuse, alors il monte un petit peu à travers la forêt pour pouvoir profiter de cette magnifique ponte totalement vierge. Apparemment, je l'auto-soufflais, il doit avoir chaud. Solitude en Utah. C'est à peu près à une demi-heure de montée depuis Salt Lake City. Hier, le dimanche, il a neigé, c'était de la neige humide. Pendant la nuit, il a continué à neiger et ça s'est éclairci en début de matinée, ce qui fait que la neige s'est asséchée et elle est devenue super poudreuse. C'est absolument magnifique. Bon, il est tombé 15 cm, c'est mieux que rien. On aurait bien sûr préféré avoir 50 cm de neige magique de l'Utah. Bon, demain, ce sera notre dernière journée de ski en Utah. On va retourner à Snowbird, qui est le best of the best. À demain!
pace. Can't fall behind or hit rewind. Get stuck into my daily grind. I can't rewind or fall behind. I've got to find another day. Just another day. To live this way, I go to work while others come to play. There goes midnight, but it's alright. A few more hours, I'll be home tonight. It won't be long, just one more song. This dancing crowd, you know they can't be wrong. Around the bend, so near the end. See my friends who bring me back. C'est la fin de la journée à Snowbar. Superbe journée. Demain, nous prenons la route pour aller du côté du lac Tahoe, Nevada. 9 heures de route, 800 bornes. Autant on aime le ski, autant on aime ôter ses souliers en fin de journée. On est dans le pays de Walt Disney. Chaque station de ski a son shop où on peut acheter t-shirts, jeans, autocollants, bref, tous les souvenirs pour se rappeler d'un bon ski dans une station. N'est-ce pas incroyable? Voilà ce que devrait faire la Suisse, copier.